Question. Voilà, Taxi 3, mesdames, messieurs. Ça sort le 29 janvier. Tout le monde va en parler. Ça, c'est la bande originale du film. Hein. Ça s'appelle Qu'est-ce que tu fous cette nuit? C'est Busta Humphrey, c'est la bande originale de Taxi 3. Il y a aussi 113, il y a aussi Arsenic, oui. Il y a aussi Corneille, il y a aussi Doc Gineco et Oxmo. Voilà. Oui, c'est bien. Vous aimez bien la musique, vous, hein? Oui, je ne connais pas très bien la musique en français, le rap, mais bon, c'est bien. Vous avez connu beaucoup de musiciens, ah, vous avez été très très oui, proche des musiciens, bien sûr. Notamment Ulf. Oui, l'ex. Ah ouais. L'ex Ulf. Ulf. Ace of Base. Il est toujours très gentil. Reviens, Ulf. Ah non. Mais quoi, attendez, vous le revoyez toujours, Ulf, ou pas? De temps en temps, oui. Ah ouais, quand même. Oui, oui, on dit bonjour. Et il dit rien, Hans, il dit rien. On est de vrais amis, oui. Mais Hans, qu'est-ce qu'il dit quand vous voyez Ulf? Bonjour, comme tout le monde le dit. Ouais. Bonjour, ça va, oui, ouais, oui, ça va. Ouais. C'est très calme, très... Ah bon, très bien, ça se passe très bien. C'est les oui, Suédois, ça ils sont bien. Cool, ouais. Ouais, cool. En Italie, ça serait pas comme ça. Non, non, bien. Non, non. Alors, on parlait du groupe, effectivement, on parlait du groupe Ace of Base. Donc, il y a un grand groupe qui a perdu cette semaine un membre important, c'est les Bee Gees. Ah oui. Puisque Maurice Gibb est mort, ouais. et beaucoup de gens le regrettent. Et alors, Maurice Gibb, il y avait un truc qui l'énervait beaucoup, c'est qu'on se souvienne des Bee Gees uniquement à travers Stayin' Alive. Parce qu'il disait, j'ai écrit plein de trucs dans ma vie, j'ai pas écrit que Stayin' Alive, ah ouais. Cette espèce de daube disco. Et c'est vrai, 10 ans avant Saturday Night Fever... Les Bee Gees ont fait des chansons merveilleuses à la fin des années 60. Didier! Voilà les Bee Gees. Eh oui, les early Bee Gees. Parce que les Bee Gees, c'est pas seulement Stayin' Alive. Voilà. Alors ça, c'est la musique de l'époque où j'étais adolescent. Et vous, quand vous étiez adolescente, oui. On vous appelait le troll. Oui. Le troll. Oui, oui, vous étiez moi. Grand, maigre. Oui, avec le, je sais pas, le grand bouche, les dents, c'est. L'appareil dentaire aussi, voilà, ouais. C'est troll. Voilà, jusqu'au jour où à Jönköping. Jönköping. J'arriverai. Je suis sûr qu'au bout de quelques années, ouais. Dans une boîte de nuit, vous avez été sélectionné pour un concours pour une crème solaire. Mm-hmm. Et après, c'est devenu un succès planétaire. Bien marché. J'étais tout très suite, content pour suite. Le produit solaire. Ouais. Ouais. Et je brosse. Vous avez été la belle suédoise. Ah, oui. La star de Paris à Milan, à New York, à Miami, etc. Ouais.